Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes devant la maison qui a vu naître mon oncle et mon papa il y a bien bien des années. Et voilà, une vieille maison de la campagne. Et mon cousin Serge, avec ses deux frères, est en train de la retaper. Ça me fait énormément plaisir, car c'est quand même des images, un mode de vie qui disparaissent petit à petit, qu'on oublie, que beaucoup de gens oublient. Et donc, pour parler de ça, j'ai décidé de faire... De mettre en musique un petit poème d'un docteur occitan qui était médecin, qui était Pierre Boissel, voilà, qui est décédé il y a bien longtemps, un de ces docteurs de famille qui comptaient pas leur temps quand à l'époque les docteurs étaient vraiment des docteurs de famille et qu'ils allaient partout. Et il a fait de nombreux recueils et de nombreux poèmes en occitan, dont quelques-uns en français. Donc là, je vais vous en faire un en français, c'est très très court, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Et puis, j'aime beaucoup. Donc une petite pensée à tous les vieux de cette époque qui sont partis, à Bernard et à Jean dans le Gers, mais plus particulièrement à tous les vieux de Fensac. Je pense à Papy Boussac, Boulanger, Tricoulet, d'autres, et tous ceux de la commune de Castel, donc Fensac sur la commune de Castel en Dordogne, toutes les communes alentour. Voilà, c'est un poème qu'il avait intitulé La mort du paysan. C'est des petits accords tout simples, il ne faut pas les chercher bien loin. Pour un texte simple et des gens simples, il faut des choses simples. Par un rude sentier, j'ai gravi la colline. La veste sur le bras, en m'essuyant le front, pour aller visiter un bon vieux qui décline. Bientôt quittera à jamais sa maison. Les épis des jaloux s'inclinaient vers la terre, les luzernes de bleu semaient leur tapis vert. Sur le maïs flottait une houppe légère de grappes alternées. Pampre était couvert. Les jours ont passé, les foins sont sur la grange, le maïs est grené, le soir au coin du feu, on a battu les blés, écrasé la vendange, sans l'avoir vu l'aïeul, s'en est allé vers Dieu. Chancelante avait semé le grain qu'il n'a pas vu germer, et comme l'on s'endort dans les bras d'une amante, il a senti sur lui la terre se refermer. Et voilà, c'était La mort du paysan du docteur Boissel, interprété et chanté donc par ma pomme. Alors avant de vous quitter, je vais quand même vous faire un petit zoom panoramique maintenant que le soleil arrive sur ce qu'est en train de réaliser mon cousin. Donc voilà, il est en train de retaper et de redonner vie à la ferme de mes grands-parents, là où on a passé plein de bons moments. Au milieu des poules, des canards, des lapins, des vaches, des pigeons. Toute une jeunesse, toute une époque. Donc voilà, et bien d'habitude, je vous clique, je vous quitte avec un clic magique, mais comme dit Lydia, je suis aussi parfois un clown triste. Donc là, la chanson est plutôt nostalgique, donc ça sera un clic nostalgique pour une fois. Alors, je pense à toi, Lydia, sur ce clic nostalgique, et je vous souhaite
De bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin des vôtres par les temps qui courent et de vous. Allez, le clic nostalgique, à plus tard. Clic.